Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le foie traiester, bat Miriam et Tor Shachol Israël. L'Elohimish mat Rivka bat Rav, Rachel Rachel bat Sara, Rav Yosef Chaim ben Amasimcha, Adel bat Sol Tarab et Chaim bar Esther Lachmi. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perek Zain, Mishnah Aleph. Haomer lachavero betkor afar ani mocher lecha. היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים, מוסלעים גבוהים עשרה טפחים, אינם נמדדין אימה. בחוץ מכאן נמדדין אימה. ואם אמר לו, כבד קור עפר, אפילו היו שם נקעים עמוקים יותר מעשרה טפחים, מוסלעים גבוהים יותר מעשרה טפחים, הרי אלו נמדדין אימה. On va parler dans notre Mishnah de celui qui va vendre un champ. Pendant tout le Pérec, c'est un sujet qui va revenir sous plusieurs formes. Lorsqu'on vend un champ à quelqu'un et qu'il y a au milieu de ce champ des rochers, des crevasses, des parties du champ qui ne sont pas exploitables, toute forme de... On va avoir plusieurs cas de figure selon la formule de l'accord lorsqu'ils ont proposé de vendre, lorsqu'ils ont conclu de vendre. Et notre Mishnah commence à nous introduire dans le sujet en nous disant « Omer lachavero betkor afar animocher lecha » Celui qui dit à son ami « Je te vends un champ qui fait une taille de betkor » Betkor, c'est l'équivalent, pour le moment on donne juste la mesure, c'est l'équivalent de 75 000 amas au carré. Une ama, c'est une coudée. 75 000 amas au carré. D'accord. Pour avoir une idée un petit peu, ça fait l'équivalent de 274 amot, un carré de 274 amot d'aret. 274 divisé par 2, ça fait 139 mètres sur 139 mètres. Ça, ça fait l'équivalent d'un betkor, d'accord? Donc, celui qui dit à son ami, je te vends un champ qui fait une taille de 1 betkor, en précisant betkor afar, une taille de 1 betkor de terre, une terre de 1 betkor, animocher lecha, je te vends. La Mishnah nous enseigne « Ayusham nekaim amukim asarat fachim » S'il y avait là-bas des trous, des crevasses, des failles, des fentes, je ne sais pas comment dire exactement, d'accord? Il y a des trous dans le sol. Ça peut arriver en région montagneuse par exemple. « Ayusham nekaim amukim » Il y avait donc des crevasses profondes de 10 tefach. « O slaim gvoim asarat fachim » Il y avait encore des rochers qui sortaient en plein milieu du champ avec une taille de 10 tefach. Einan nimdadin ima. Ils ne seront pas comptés avec le champ. C'est-à-dire, je t'ai dit que je te vends un champ avec une arête de 274 ama, comme on a dit. Il s'avère que maintenant, en plein milieu du champ, il y a une crevasse qui fait un minimum de 4 tefachim de large. 4 sur 4, d'accord? C'est précisé dans les farshim, c'est réussi à rapporter notamment par le Barthénora, donc 4 sur 4, Makom Khashouf, il y a ici un rocher important qui n'est pas exploitable, une partie du champ qui n'est pas exploitable. Donc on va, si il a, tout d'abord, il s'étale sur une superficie de au moins 4 tfachim sur 4 tfachim, 40 cm sur 40 cm, premièrement. Et deuxièmement, il a une profondeur, c'est un trou par exemple, c'est un puits, ou qui descend à une profondeur de 10 tefach, ou encore c'est un rocher qui s'élève au-dessus de 10 tefach. Sur ça, je te dis, écoute mon ami, tu m'as dit que tu mords 274 sur 274 de terre, on a précisé betkor afar, un betkor de terre, donc sur le bord là-bas, là, quand on arrive à la limite, tu me rallonges un petit bout de champ supplémentaire, ou tu me déduis le prix de ça, parce que moi je ne paye pas pour un champ, même si c'est exploitable, même s'il y a de la terre tout au fond, mais malgré tout, c'est pas une manière, c'est pas un champ. On précisera plus de détails. D'abord, on se fait un petit peu à l'idée, d'accord? C'est clair. Maintenant, la Mishnah nous enseigne encore. Par contre, ils ont une taille inférieure à 10 tfachim, nimdadi nima. Ils seront comptés avec elle. Et on continue encore toute la Mishnah. Après, on fera un petit peu une synthèse. Veima marlo. D'accord, c'est clair le par contre mikan. Donc, s'ils ont une taille inférieure à 10 tfachim, on considère qu'ils vont avec le champ. C'est pas comme un lieu distinct, mais ça va avec le champ, ça arrive toujours, et ça n'existe pas d'avoir un champ où il n'y a pas en plein milieu une partie qui n'est pas tellement exploitable, mais ça s'appelle encore un betkour, malgré tout. Maintenant, Veimamar lo kevetkour, kevetkor, afar, maintenant s'il me dit je te vends comme un betkour, avec le kaf, adimion, comme un, d'accord, kmo,
qu'est Betcourt? L'équivalent d'un Betcourt, plus ou moins, c'est une manière de dire donc plus ou moins, approximativement. Même s'il y avait là-bas des crevasses profondes de 10 tefach, ou encore il y avait là-bas des rochers hauts de plus que 10 tefach, Aré Elonim Nadim Ima, ils seront encore inclus avec elle, parce qu'en réalité, on va faire le point tout simplement. Lorsque l'on précise que je te vends un betcourt de terre, ça veut dire que tu vas cultiver. Cultiver, on ne peut pas cultiver. Tout d'abord, on ne peut pas cultiver sur un rocher. Ouais, ça ne pousse pas. Et en plus de ça, même dans une crevasse, supposons que la crevasse elle est assez large pour pouvoir partir cultiver en bas, il y a de la terre tout en dessous. Il y a un trou en plein milieu, un dénivelé d'une profondeur de 10 tefards, on peut partir planter en bas. Malgré tout, on a dit que j'achète un champ, je t'ai pas dit que j'achetais deux champs. Un champ, ça signifie j'amène tous les outils une seule fois et on laboure tout le champ, on sème tout le champ d'un coup, et pas une fois que j'ai fini, j'amène mon échelle, je commence à descendre en bas et je commence à cultiver l'autre petit champ qui est au fond de la crevasse, c'est pas une solution. Donc, ça s'appelle que tu remplis pas ta condition. Ça, c'est quand je t'ai dit un betcourt. Lorsque je t'ai dit l'équivalent d'un betcourt, alors l'équivalent d'un betcourt, ça signifie, on précisera plus tard dans les autres Mishnayot, qu'on se laisse une marge de non-précision, où ça va manquer un petit peu dans la taille prévue et tout ça. Et donc, on inclura encore toutes sortes de rochers. Ça, c'était les points importants. Un autre point enseigné encore, c'est lorsque je te vends juste un betcourt. Je te vends un champ d'un mètre court, je ne te dis pas un mètre court de terre, une terre d'un mètre court. Dans ce cas-là, le Barthénois va nous rapporter, c'est vrai, je même qu'il le pense, même s'il n'est pas du tout exploitable, c'est de la roche pendant tout le mètre court, malgré tout, tu l'as acheté, tu ne peux pas venir réclamer, parce que je peux très bien te dire que je ne savais pas que tu comptais cultiver, peut-être que je pensais que tu allais faire sécher tes figues, par exemple, ou faire toutes sortes de travaux qui n'ont pas besoin d'avoir une terre fertile. Et encore, une autre précision encore, c'est lorsqu'il y a des rochers qui ne s'étalent pas sur une taille de 4 tfachim sur 4 tfachim. Dans toute la Torah, retenez cette notion. Un lieu important, conséquent, c'est qu'il a une taille d'au minimum 4 sur 4 tfachim. Dans les Ilchot Shabbat, pour transgresser l'interdit de porter, il faut poser ensuite sur quelque chose qui fait 4 tfachim sur 4 tfachim. Dans la Souka du Srach Pasoul, c'était 4 tfachim sur 4 tfachim. Toujours 40 sur 40, un peu moins en réalité, ouais. 9,8 le tefar, ou bien 8 la chumra, donc ça ferait l'équivalent de 32 cm. En tout cas, c'est toujours le principe, 4 tfachim sur 4 tfachim, et là c'est le même principe. Si ça ne fait pas une taille de 4 tfachim sur 4 tfachim, ça s'appelle, ça n'existe pas d'avoir un champ où il n'y a pas dedans des petits trous par-ci par-là qui ne sont pas exploitables, ou d'avoir un petit rocher, un petit peu infernal, mais qui ne s'étale pas encore sur une superficie importante pour que tu puisses réclamer quoi que ce soit. Donc ce sera inclus dans le prix, et tu ne pourras pas réclamer un bout de terre supplémentaire. Et on peut s'arrêter là, avec quand même, juste, je voulais quand même expliquer la notion des mesures. C'est quoi un betcourt? Il y a concrètement, on l'a déjà évoqué une ou deux fois, mais je préfère le redire encore une fois, étant donné qu'on va parler pendant tout le pérec, qu'on comprenne. Il y a un problème, on parle de superficie, et on va mesurer une superficie avec un volume. Un betcourt, un cours, ça fait 30 CA. Vous vous rappelez toujours du moyen mnémotechnique, Escalav Gudo. Eifa, Sea, Kav, Log, Bet, c'est l'architevote de Escalav. Et Gudo, c'est les coefficients entre les deux. Gimel, Vav, Dalet, Vav, ça fait 3, 6, 4, 6, écrivez-le sur une feuille. Eifa, Sea, Kav, Log, Beta, c'est des mesures importantes qu'on rencontre fréquemment. Et les coefficients Gudo, 3, 6, 4, 6, entre les deux. Ça, on va voir qu'on va évoquer plusieurs fois maintenant, ça c'est des mesures de volume. Un beitza, un œuf, c'est un volume, c'est deux fois le kazaït. Un log, on mesure toutes les boissons en disant un revit. Un revit, c'est quoi un revit? C'est un revit à log, l'équivalent de gématria de cos, 86 centilitres. Donc, comment c'est possible maintenant qu'on mesure des superficies avec des volumes? En réalité, il faut savoir qu'il y a une densité, une norme de densité de graines lorsque l'on plante un champ. On ne jette pas des graines n'importe comment. Sur un litre de graines, on va prendre un litre de graines, on va l'éparpiller avec une certaine densité, et ça va nous faire un bet litre, si on voulait traduire ça avec nos notions. Et en fait, quand on va parler d'un bet CA, c'est qu'on va prendre une mesure qui va nous faire un CA, une CA de blé. Combien l'usage il est de
de le semer sur un champ, la taille que ça vous fera, c'est ce qu'on appellera un bet sea. En l'occurrence, on sait que le Mishkan, il s'appelait un bet sa'ataim. Le Mishkan qu'ils ont construit dans le désert, il faisait un bet sa'ataim. Il y a des preuves pourquoi ça s'appelle un bet sa'ataim. Et sa mesure exacte, c'était de faire 50 sur 100. De ce fait, sa'ataim, bet sa'ataim, ça fait 50 sur 100. Court, c'est 30 CA, donc ça fait 15 fois le 50 sur 100, ça va faire l'équivalent de, je le dis tout de suite, je le connais par cœur, je l'ai vérifié, c'est écrit partout, c'est écrit dans le verset noir, 75 000 et quelques, 75 024, 26, je sais plus, attendez, je regarde ça dans mon téléphone, je l'ai encore ici, 75 076, d'accord. Si on fait en racine maintenant, on va se retrouver avec l'équivalent de 274 amas sur 274, et on a fini la Mishnah, on fait à présent le Bar Ténora. Haomer lachadro betkor afar, celui qui dit à son ami, je te vends une terre de 1 betkor, midat betkor, une taille de 1 betkor, ou chamisha vishivim elef ama, 75 000, une taille de 75 000 amas au carré. Shechatzera mishkan aya bet sa'ataim, car la cour du Mishkan mesurait elle-même un bet sa'ataim, une maison de, donc une taille de sa'ataim, 2 CA. Ve'aya me'al chamishim, et sa taille c'était 100 sur 50, ça on le sait très bien. Ve'kor shloshim slaim, et le corps il fait 30 se'in, shloshim se'in, donc 30 se'in ça fait 15 fois le bet sa'ataim, et on se retrouve donc avec la mesure qu'on a précisée. Maintenant, il a précisé bet-kor afar, je te rends une terre de un corps. Haraoui lezria mashma, puisqu'il a rajouté le mot afar, ça signifie haraoui lezria, apte à être semé. Aval im amar betkor stam, par contre si je te dis je te rends un betkor, sans préciser quoi, au betkor karka, un sol, un terrain de un betkor. Afiloya kulos laibigo, même si c'était entièrement de la roche, inexploitable, malgré tout elle sera vendue pour quoi, des schémas. Livnot bet, on parle de quelqu'un qui achète sur le papier, il n'est pas en train de partir voir le terrain à quoi il ressemble. Il achète sur le papier, d'accord, un entrepreneur qui vend, là-bas il y aura des terrains, là-bas il y aura des maisons, et il le monte sur le terrain, oui alors je t'achète un terrain de 50 sur 100 ou peu importe. Alors là, dans ce cas-là, à Philo, à Yakulos Laimigio, même si c'était entièrement de la roche, eh ben, Igio, Igia et Lav, il devra s'encaisser, se le manger. Des Shema Livnot Bait, Olimishtar Beperot Baila, peut-être qu'il l'a acheté pour construire là-bas une maison, ou pour étaler ses fruits, asséchés. Maintenant, s'il avait là-bas des nekaim c'est quoi? Des bekaim amukim, des fentes profondes. Oslaim gvoim asar, encore des rochers hauts de 10. Vekegon sherechavim dalet al dalet, davem akom chashu. On parle uniquement lorsqu'ils ont un minimum, une largeur, une superficie, minimum de 4 tfachim sur 4 tfachim. D'accord? L'équivalent de 35 sur 35, 32 sur 32, d'accord, 40 sur 40, en tout cas, centimètres. S'ils ont une largeur telle, alors ils seront vendus en même temps, et qu'ils ont une hauteur de 10 tfachim, parce qu'en plus, il faudra les déduire de la superficie. En nimdadinima, par contre, s'ils ont une hauteur, un dénivelé inférieur à 10 tfachim, alors là, ce sera vendu en même temps, inclus dans la vente. Vetserir Sheiten lo bet kor shalem mikarka chalak. Ah, le partenaire s'apporte encore dans la partie que ennim d'adinima. Lorsqu'ils sont hauts, ils ont cette taille. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra que Sheiten lo bet kor shalem, il devra lui rajouter sur le côté, lui rajouter un petit peu l'équivalent de la superficie perdue à cause du rocher, lui rajouter sur le côté, lui donner un champ un petit peu plus long, plus large. C'est-à-dire, Sheiten lo bet kor shalem mikarka chalak. Il devra lui donner donc un bet kor complet, intégral, d'un sol chalak plat, chez en adam rotzel iten marotav bimkom echal, car un homme ne va pas lui donner son argent pour un endroit, veira elon kishneim beshlosha mekomot, et cet endroit, ce lieu lui semblera comme deux endroits. C'est-à-dire, supposons que j'achète sur le plan donc un champ qui fait 2 hectares, j'arrive sur place et je réalise qu'en réalité il y a un dénivelé, un hectare à une certaine hauteur et un autre hectare à une autre hauteur avec 10 tefards d'écart, l'équivalent de 1 mètre, plus ou moins entre les deux. Alors sur ça, je lui dis, non, moi je t'ai acheté un champ qui fait 2 hectares, je t'ai pas acheté deux champs qui font 1 hectare, c'est pas la même chose, il faut se casser la tête à faire, on peut pas, ouais, vous imaginez bien, vous passez avec
votre charrue, vous devez vous arrêter, ne pas vous approcher du bord pour ne pas qu'elle tombe, après vous prendre la tête à la faire descendre, c'est pas une solution, c'est deux champs, je suis pas intéressé. Ensuite, s'il a précisé qu'est Vetkor, l'équivalent d'un Vetkor plus ou moins comme un Vetkor, Mashma Kmosheo. Alors on déduit de là, c'est qu'il est tel qu'il est, Ben Slaim, Ben Afar, qu'il soit en de la roche ou qu'il soit de la terre, alors dans ce cas-là, il ne pourra pas venir réclamer. Et on a fini la Mishnah, je vous souhaite une journée pleine de Aslacha Kol Tov. C'est là.